Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation vidéo de FTL Faster Than Light, qui veut dire plus vite que la lumière, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est un petit jeu indépendant. Alors, il faut que j'arrête absolument de dire petit. Quand je parle de jeux indépendants, c'est pas parce qu'ils coûtent pas cher qu'ils sont petits, c'est pour le coup, FTL c'est un grand jeu, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un jeu qui est sorti sur PC et Mac, sorti le 12 septembre 2012. C'est un jeu de gestion stratégie qu'on pourrait apparenter au roguelike. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Je vous expliquerai pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un roguelike, je vous expliquerai ce que c'est aussi. Ça coûte 9,99€ sur Steam et 10$ sur le site officiel du jeu. C'est développé par Subset Games. Ça a été financé via Kickstarter en mars-avril 2012, et c'est sorti donc le 12 septembre 2012. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors déjà, comme vous pouvez le voir sur l'écran titre, c'est un jeu qui se déroule dans l'espace, donc c'est un jeu de science-fiction. On va faire une nouvelle partie. Alors excusez-moi, c'est un jeu qui est entièrement en anglais. Mais bon, je vous expliquerai à peu près les choses qui se passent. Alors en fait, on est en gros le gestionnaire, donc le capitaine d'un vaisseau spatial qui s'appelle le Kestrel pour le vaisseau de départ, et on doit délivrer un message de la plus haute importance à la flotte de la Fédération qui va se faire attaquer par les rebelles. Et évidemment, votre vaisseau spatial est poursuivi par la flotte rebelle, et donc il faut leur échapper coûte que coûte à travers 8 secteurs, le 8e secteur étant le secteur final. Et tout se passe ici en fait, avec sur la carte stellaire, où vous pourrez choisir l'emplacement suivant vers lequel vous allez sauter en fait, à vitesse subluminique, donc FTL, un saut dans l'hyperespace, comme dirait Star Wars. Alors, il faut savoir que c'est un jeu qui est totalement généré aléatoirement, d'où le roguelike, puisque les roguelikes sont souvent des RPG générés aléatoirement, ce qui fait qu'à chaque aventure, l'aventure change en fait. Et une autre caractéristique du roguelike, c'est la permadeath, donc la mort permanente. Voilà, c'est souvent des jeux qui sont assez difficiles. Bon, je vais vous expliquer ce qui nous arrive là. Nous venons d'arriver à côté d'une station spatiale endommagée, et il apparaît comme... elle apparaît comme étant abandonnée, mais on détecte des signaux de vie à bord. Donc voilà, on a un choix. Soit aborder la station et regarder si je peux pas trouver des survivants, soit je peux simplement détruire la station pour avoir les débris qui sont la monnaie du jeu. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le tenter. On va tenter d'aborder la station. Bon, finalement, il n'y a personne, mais on récupère quelques petits scraps, quelques petits débris. Voilà, donc je choisis ma destination suivante. Évidemment, l'objectif, c'est quand même de toujours s'ouvrir des possibilités. Donc on va aller par là. Alors, nous trouvons une station minière, j'ai le droit à du scrap et un drone de défense qui va me falloir... signal de détresse. Donc le drone de défense, il va falloir que j'achète ce qu'il faut pour le mettre en marche. On va aller voir ce qui se passe au signal de détresse. Alors, nous avons utilisé notre dernier gramme d'essence, on va dire notre dernier litre d'essence. Donc il demande de l'essence. Donc bon, je vais faire mon magnanime, je vais leur donner de l'essence. Il me remercie grassement en me donnant 19 scrap. Très bien. Allez, on continue. On va peut-être avoir un combat. Voilà. Donc les combats spatiaux, je vais mettre pause. Comment ça se déroule? Vous avez donc ici mes deux armes principales. Un missile nommé Artemis. Donc j'appuie en fait ici, ou alors je clique sur 1. J'appuie sur 1 sur le... sur le
sur le clavier et ensuite je clique gauche à l'endroit où je veux tirer. Ensuite, même chose pour le laser. Alors vous voyez que ici ça demande deux barres d'énergie. Les barres d'énergie qui sont ici en fait, symbolisées en vert. Et donc en fait ici je les utilise pour alimenter les boucliers. Ici c'est le réacteur, donc le moteur, qui me permet de évidemment d'éviter les tirs ennemis. Le bouclier étant censé les encaisser bien évidemment. Ici c'est l'oxygène, la pharmacie que je peux utiliser si mes trois petits gars sont dans la panade, mais pour le moment vu que j'en ai pas besoin, je vais enlever en cliquant droit la barre d'énergie et l'utiliser pour mettre le laser en meilleure posture. Voilà, j'enlève pause avec espace et on va voir ce qui se passe. Évidemment, petit temps de chargement parce qu'on va pas tirer. Alors comment ça se passe? Regardez, j'ai réussi à endommager sérieusement leurs armes, donc ce qui fait qu'ils vont plus pouvoir me tirer dessus maintenant. On va se mettre en auto-fire, comme ça si jamais je parle et je me déconcentre, c'est possible. Par contre, eux, ils m'ont détruit en fait mon système de détection à l'intérieur de l'intérieur de l'enceinte du vaisseau. Et vous voyez ennemi FTL charging, ça veut dire qu'ils se préparent, enfin ils se préparaient à sauter dans l'hyperespace, sauf que j'ai réussi à les tuer avant. Alors là ça va pas du tout. Il y a le feu chez moi. On va essayer de gérer la catastrophe le mieux possible. Évidemment, je peux pas ouvrir mes portes. Je vais essayer de pas trop fail dans cette vidéo de présentation, ça serait vraiment dommage. Donc le feu se répand bien évidemment, sauf si vous réussissez à éteindre l'incendie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le ménage par le vide et on va essayer de contenir le feu en enlevant l'oxygène de ces endroits pour que l'incendie s'éteigne tout simplement. Nos deux petits gars sont ont besoin de récupérer leur santé, donc on va faire ça. Lui normalement il était au poste de pilotage, toi je crois que t'étais ici et toi t'étais là, sachant qu'évidemment plus un membre d'équipage reste au même endroit, plus il va devenir fort à cet endroit. Et donc c'est symbolisé par ces petites barres ici. Donc pour le moment on n'a pas fait assez, mais par exemple celui-là il devient un petit peu meilleur en réparation. Voilà, on va aller voir ce qu'il y a au magasin, parce que évidemment les magasins sont intéressants pour acheter notamment du fuel, puisqu'on en a donné un petit peu aux autres pour réparer aussi la coque qui est symbolisée par cette barre verte ici. Contrôle du drone, c'est un peu cher donc je ne peux pas encore utiliser ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le vendre. Non, c'est un drone de défense, je vais le garder. Je peux aussi améliorer mon vaisseau. Donc je vous parlais de barre d'énergie, il est possible d'en acheter d'autres du coup pour pouvoir alimenter plus facilement le reste du vaisseau. Qu'est-ce qu'on va améliorer? On pourrait améliorer les boucliers, sauf que j'aurais pas assez de barres d'énergie. On va mettre ça. Tac, donc j'ai une barre d'énergie de plus, que je vais mettre là. Et vous avez vu, mon potentiel de d'évasion, plutôt d'évitement, d'esquive, voilà, pour parler français, a augmenté. J'étais à 15% tout à l'heure, il est à 20%. Alors il faut savoir que si j'enlève mon gars du pilotage, j'ai plus du tout d'esquive, puisque évidemment sans pilote c'est un peu compliqué d'esquiver les tirs ennemis. Par contre si je mets quelqu'un normalement à l'engin, ça augmente aussi mon potentiel d'esquive. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut souvent faire des choix dans FTL pour essayer de
d'optimiser un petit peu la situation. Alors eux, ils ont peur tout de suite et ils veulent tout de suite fuir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer directement dans leur... directement dans leurs engins, dans leur moteur, pour... et ils osent aborder mon vaisseau. Donc on va... parce qu'en fait, ils ont un téléporteur symbolisé par cette petite icône ici. Et ils ont téléporté Frédéric. On va essayer de lui faire sa fête. Voilà. Voilà, Frédéric est donc mort. On va continuer à lui tirer dessus. J'ai réussi à retarder son saut dans l'hyperespace, donc je peux enlever mon missile, sachant que les munitions du missile ne sont pas illimitées. Donc il faut soit les trouver dans les débris, soit en acheter dans les magasins. Donc attention quand même à pas les dépenser de manière inconsidérée. Sachant que FTL est un jeu très difficile. De par son côté aléatoire. Donc, voyez là par exemple, j'ai récupéré deux d'essence, une partie de drone, sachant que en fait, si j'utilise un drone par combat, ça va m'enlever une partie de drone. Et 17 scrap. Ok. Sachant que l'objectif dans chaque secteur, c'est d'arriver au point de sortie. Encore un petit combat. Alors vous voyez, lui, il a un drone d'attaque qui va me tourner autour et essayer de pénétrer mes boucliers. Hop. Donc je disais, c'est un jeu qui est compliqué de par son côté aléatoire, évidemment. Parce qu'il est tout à fait possible de perdre vos membres d'équipage, et alors à ce moment-là, le jeu devient complètement... enfin, presque impossible à terminer. Il est bien évidemment possible d'en recruter d'autres dans les magasins. Et d'en trouver aussi... durant l'aventure. Alors là, il me demande de... comment dire... Il me demande d'accepter sa reddition. Et voilà ce qu'il m'offre. 7 missiles, 2 parties de drone et 10 scrap. Et je lui dis non, désolé. Tu ne fuiras pas. Par contre, évidemment, quand je dis ça, je me prends un petit coup derrière la tête. Voilà, il est bientôt mort, normalement. Bon, décidément. J'en prends plein la tronche. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Normalement, voilà, il est mort. Ouais, j'aurais dû accepter sa reddition puisqu'il m'a... finalement, ça ne m'a pas donné grand-chose, sa mort. Ça m'a même donné moins que si c'était rendu. Voilà, c'est ça aussi FTL, c'est parfois on fait des choix qui ne sont pas les bons. Et je rappelle, tout ça est aléatoire. Ce qui fait partie du charme du jeu. Allez. Alors ici, je vous parlais de la flotte rebelle qui me pourchassait. En fait, ici c'est sa zone d'influence. Tout ce qui est en rouge, je ne trouverai plus que de la flotte rebelle. Et c'est, ça devient bien évidemment compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de quitter le secteur avant qu'ils arrivent. Alors, nous trouvons la source de l'appel de détresse. C'est une station de recherche, une petite station de recherche. Il y a un petit laboratoire. Le problème, c'est qu'il y a un feu à l'intérieur. Donc voilà, j'ai trois choix. Soit partir, soit arrimer mon vaisseau et essayer de secourir les survivants, soit carrément envoyer quelqu'un dans le vaisseau et essayer d'aider à éteindre l'incendie. Donc moi, je vais tenter de m'arrimer. Bien évidemment, je me suis cassé la gueule contre la station et j'ai perdu des points de vie. Voilà, donc ça arrive souvent. Je peux confirmer. Champ d'astéroïdes. Alors, la particularité d'un champ d'astéroïdes, c'est que y a des astéroïdes qui s'écrasent régulièrement sur vos boucliers.
Et il y a des chances que je perde pas mal de points de vie là-dessus. Dans ce combat. À savoir qu'il y a divers environnements qui sont... je suis en train de prendre feu. Il y a divers environnements qui peuvent influencer sur les combats, notamment les soleils qui à intervalles réguliers vont faire prendre feu les vaisseaux qui sont dans leur orbite. Donc ça peut être compliqué. Et les nébuleuses qui peuvent en fait vous empêcher d'alimenter correctement votre vaisseau. Donc ça aussi c'est compliqué. Je vais réparer 10 points de vie pour 20 scrap, ça vaut le coup. Alors là je choisis dans quel secteur je vais m'aventurer. Alors soit dans une nébuleuse, soit dans un secteur contrôlé par des NJ. Donc les NJ sont en gros une race extraterrestre qui sont très forts en réparation. Donc si je vais là-bas, 1, c'est un secteur civil, donc il y aura moins de combats. Et 2, j'aurai peut-être des chances de recruter un NJ. Donc on va faire ça, notamment parce que je suis en mode normal, comprendre le mode difficile de FTL. Voilà, j'ai toujours le feu en plus chez moi. Voilà, je ferme tranquillement les portes. Et j'attends que l'oxygène remonte. Et puis je vais améliorer mon vaisseau. Tac. Voilà, j'ai amélioré d'un niveau mes boucliers. Donc normalement, quand je les aurai... quand je les aurai alimentés, voilà, j'aurai un deuxième voyant de bouclier, sachant qu'il va vite me falloir de nouvelles barres d'énergie, puisque je n'ai pas assez pour tout alimenter. Voilà. C'est un petit avant-goût de FTL, bien évidemment. Vous suivez l'appel de détresse jusqu'à une petite barrière d'astéroïdes. Vous trouvez un petit vaisseau qui lutte pour manœuvrer à travers le champ d'astéroïdes. Leur message nous dit « À l'aide, nos boucliers ne fonctionnent plus et nous ne savons pas combien de temps nous pouvons encore tenir. » Je vais essayer. Alors, soit j'essaye de les aider avec mon propre bouclier, de les escorter autre part, soit je ne risque pas mon vaisseau et je les laisse à leur sort. Donc je vais essayer de les sauver. Évidemment, je perds des points de vie là-dedans. Voilà, malheureusement le vaisseau civil n'a pas survécu à la manœuvre. C'est bien triste. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche FTL, voilà. Ok. J'ai récupéré une nouvelle arme et des scraps. Donc voilà, dans le processus, j'ai récupéré quand même deux armes. Alors que je ne regardais même pas à cet endroit-là. Mais c'est pas grave. Alors, un nouveau magasin. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais revendre le drone. Je vais réparer ma coque. J'ai acheté de l'essence. Toc. Et puis je vais acheter une autre barre d'énergie dont je vais avoir besoin si je veux faire marcher mes armes, sachant qu'il faut que j'améliore aussi mes armes si je veux en utiliser plusieurs en même temps en fait. Alors, je vais explorer un champ d'astéroïdes où il n'y avait rien à l'intérieur. Vous voyez en fait il y a trois barres d'énergie possibles sur les armes. À chaque fois que j'améliore les armes en fait j'ai une barre d'énergie de plus, c'est-à-dire que je vais pouvoir
mettre 4 barres d'énergie sur chacune des armes. Donc je pourrais par exemple avoir ce laser là et ce laser là. À l'heure actuelle, je peux pas les avoir. Bien évidemment, si je me retrouve avec 6 barres d'énergie là, je pourrais avoir celui-là, celui-là et celui-là. Et ouais, évidemment, si j'avais 7, je pourrais avoir tout en même temps. Ce qui n'est pas le cas. Allez, on va répondre à l'appel de détresse. Ok, petite ceinture d'astéroïdes. Ok, un vaisseau avec des marques pirates qui est coincé entre deux rochers. Il est possible qu'il ait été en train de miner de façon illégale dans la ceinture sans le bon équipement. Alors j'ai le choix, soit je le détruis tout simplement parce que c'est juste des pirates et qu'ils en valent pas la peine. Soit j'essaie de le déloger en tirant sur les rochers. Soit, vu que j'ai un rayon comme arme, je peux essayer de couper soigneusement le vaisseau en dehors de ça. On va tenter pour voir. Hop. Voilà, le vaisseau s'en est tiré et est parti. Est parti avant, juste après m'avoir rendu des ressources, ce qui est plutôt pratique, j'ai bien fait. Et puis on va s'en aller au secteur 3. Donc j'ai pas eu de chance, j'ai pas pu recruter d'Engi. Alors, soit un secteur contrôlé par les rebelles, soit les mondes des Mantis, qui sont une race extraterrestre très, très puissante au corps à corps. Donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai plus beaucoup d'essence. Alors, hop. Ok, il me demande de l'aide pour les emmener quelque part. Un autre signal de détresse. J'ai le cœur sur la main, alors je vais les aider. Et c'était c'était un piège. Il y avait un... comment ça s'appelle ? Ok, on m'attaque. Ah, parce que c'est ça aussi l'idée des Mantis, c'est qu'ils sont très agressifs. Et du coup... il est probable... enfin, il est... c'est assez souvent qu'ils viennent attaquer... Alors, on va réactiver l'infirmerie parce que... deux petits gars là, ils sont un peu dans la merde. Et en fait, pourquoi ils ont quitté, ils ont arrêté l'abordage, tout simplement parce que leur vaisseau avait des problèmes. Du coup, ils sont rentrés. Nous n'accepterons pas votre reddition. Ils ont essayé de m'arnaquer. Il n'y a pas moyen que je les laisse survivre. Voilà. Bon, ça aurait pu moins bien se passer. Hop. Il faut que je répare mon moteur. Voilà, alors je sais pas si on va rester beaucoup plus longtemps ensemble. Je pense que je vais arriver jusqu'à la demi-heure et puis on va se laisser là parce que voilà, c'est juste une présentation. Je ferai peut-être un jour un petit run sur FTL, mais pas aujourd'hui. J'en ferai un en quelques épisodes. Alors là, on les voit se déplacer vers ici, donc ils vont certainement envoyer quelqu'un vers moi. Donc on va essayer d'être méthodique et tirer sur leurs boucliers et leurs armes. Alors... voilà. Voilà les Mantis. Donc il faut que je fasse vraiment gaffe parce qu'ils sont plus forts que moi. Et
Évidemment, ils attaquent les armes. J'essaie de me régénérer un peu. Alors, ils se préparent à partir. On va essayer de les en empêcher. Ce qui est pas dit, c'est pas gagné. Ouais, ils s'enfuient. Oui, mais je vais. Ah tiens, je savais pas qu'on pouvait les poursuivre. Voilà, j'ai plus beaucoup d'essence. Et quand on a plus beaucoup d'essence, on n'a plus d'autre choix en fait que de. Que d'attendre les rebelles bien sagement et attendre la grosse raclée quoi. Tout simplement. Donc c'est plutôt déprimant, mais c'est comme ça. Hop. Ah sympa. J'ai découvert un magasin, mais alors c'est dommage parce que j'ai pas d'argent donc je peux pas leur acheter quoi que ce soit. Oh là là, ils sont sacrément armés ce. Il est sacrément armé ce drone. Tac. Sachant qu'en plus ils essaient de s'en aller. Donc on va voir ce que ça va donner, on va tenter de les en empêcher tout en ne mourant pas. Voilà. Tac. J'essaie d'économiser mes missiles. Ah, voilà ce que je pourrais faire. On va utiliser le rayon laser qui peut en fait découper dans plusieurs salles et c'est le trait rouge en fait que vous choisissez. Et vous choisissez où il va taper. On va essayer de sauver l'infirmerie du feu. Voilà, ça n'a pas été très très efficace malheureusement. Sachant que je peux très bien choisir de m'enfuir si jamais le combat est trop difficile. Du moment que le bouton jump est activé. Allez, ça va bien se passer. Voilà, le problème des lasers, c'est qu'ils traversent pas les boucliers. Du coup, c'est un peu compliqué de. Voilà, ils ont fini par s'enfuir. Tant pis, on va aller jusqu'à la fin de ce secteur et puis on va se laisser là. J'espère vous avoir donné un petit peu envie de jouer à FTL. Si c'est pas le cas, de toute façon, il y aura un espèce de petit let's play où je ferai toute une session entière. Ce qui est pas forcément très long d'ailleurs. Oh là là, j'ai plus que un d'essence. Oh dur. Oh non, je peux pas sauter. Donc je suis obligé d'attendre la flotte rebelle. Ah, ils essaient de me tirer dessus, mince. Ok. Bon, ça va certainement être le dernier carré de notre vaisseau. Et vous voyez en fait à quel point toute la situation peut se retourner facilement dans FTL, c'est-à-dire que voilà, vu que tout est aléatoire, c'est pas forcément dit que je tombe sur du... Je cherche mes mots, c'est horrible. Sur de l'essence. Et du coup, voilà, ça peut vite être compliqué si je tombe pas dessus. Donc voilà, et en plus là je vais utiliser tous mes missiles contre ce vaisseau NJ qui a des boucliers trop puissants pour que je pénètre sa carlingue. Du coup voilà, il va certainement
s'enfuir rapidement. Et on n'aura plus qu'à attendre la flotte rebelle vienne nous cueillir. Un triste sort, malheureusement. Et je n'ai plus du tout de... J'ai plus du tout de missiles. Voilà. Bon bah... La flotte est bientôt sur moi. Ok. Ils ont gentiment donné de l'essence contre un petit peu de... Oh mon dieu. J'aurais jamais dû faire ça, je vais mourir contre eux. Aïe aïe aïe. Et en plus, ils sont en train de m'attaquer. Aïe aïe aïe. Voilà, donc en fait, je crois qu'on va se laisser sur une mort. Ce sera plus simple. Nom de Dieu. Oh, la chance que j'ai. Je suis persuadé qu'il y a le feu là-dedans. Je vais ouvrir. Oh bah non. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez. Je prends tellement cher. Heureusement que c'est la fin de la vidéo. Ah, j'ai pas réussi à les tuer, je suis dégoûté. Allez, viens réparer ton vaisseau, toi, capitaine. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a donné un petit peu envie de jouer à FTL. C'est un jeu qui coûte pas cher. La dernière fois que j'ai regardé, ça coûtait 10€ sur Steam. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est un jeu qui est très très addictif. À savoir que c'est un jeu en fait qui... En gros, chaque run ne durera pas plus d'une heure. Pas beaucoup plus d'une heure, dans le sens où soit vous serez mort dans d'affreuses souffrances, soit vous aurez gagné. Donc voilà comment ça se passe avec FTL. Moi je trouve que c'est un jeu qui est super intéressant, je me lasse pas d'y jouer. Alors bon, bien sûr, faut pas non plus y jouer en session de 4 heures d'affilée. Vous pourrez peut-être vous lasser, mais sinon, de temps en temps, franchement, c'est un vrai petit bol d'air frais. Moi j'adore, déjà j'adore la science-fiction en plus, donc voilà, vous connaissez un petit peu mes goûts, Et j'ai toujours rêvé de contrôler un petit vaisseau spatial, donc forcément, ça ne pouvait que me parler. Et me voilà rattrapé par la flotte des rebelles qui m'abordent sans scrupule. Et ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt dans d'autres vidéos, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez déjà ce jeu, si vous y avez déjà joué, si vous l'avez déjà acheté, blablabla. Et sinon, si jamais cette vidéo vous a donné envie, n'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous a donné envie. Et puis voilà, on se donne rendez-vous très bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas fait. Et puis voilà, à très bientôt tout le monde. Salut à tous.